Chers téléspectateurs, chaque année, à la date du 3 mai, les hommes et femmes des médias célèbrent la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette année, avec la pandémie du coronavirus, cette célébration se déroule sans grand faste. Pour débattre de cette journée de la liberté de la presse, nous avons sur ce plateau trois invités. Il s'agit de M. Lomnodji Ta Nathan, journaliste secrétaire général de l'Union des journalistes tchadiens, UJT, Isabelle Seka, directrice de l'Agence tchadienne des presses et d'édition, rapporteur de la commission communication et sensibilisation à la cellule de veille et sécurité sanitaire. Elle est également journaliste professionnelle. On a également Abderrahmane Barka, directeur de publication du quotidien Le Progrès, PCA de la Maison des médias. Chers invités, bienvenue sur ces plateaux. Le thème de cette année est contribution des médias dans la lutte contre le Covid-19. Cette année, la célébration, comme nous l'avons dit tantôt, elle est un peu particulière dans le sens où, à cause de cette pandémie, il n'y a pas eu assez de manifestations autour de cette journée. Madame Isabelle Seka, vous êtes journaliste professionnelle, vous êtes une des doyennes du métier. Quel est aujourd'hui l'état de la liberté de la presse dans votre pays? Je voudrais d'abord dire que pour évaluer une situation, il faut aller de la situation de départ. Et si nous partons de la situation de départ, nous allons voir qu'il y a liberté de presse aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas, d'abord, il n'y avait pas la presse plurielle et il n'y avait pas de presse qui pouvait constituer le contrepoids au niveau de la société pour réglementer au moins les actions de l'exécutif. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup de médias privés, je peux dire communautaires, confessionnels, en fait, c'est la presse plurielle. Au niveau du Tchad, les journalistes exercent leur travail. J'ai vécu une époque et maintenant je vis une autre époque. Et la première époque me sert de situation de départ pour pouvoir analyser et mieux analyser la situation actuelle. Monsieur Abderrahmane Barka, vous êtes directeur de publication du quotidien Le Progrès. Comment aujourd'hui vous vivez cette situation de liberté sur le terrain? Comment elle se matérialise? Bien, je dirais que il y a tellement de liberté que nous sommes en train de craindre au sein du métier aujourd'hui que cette liberté-là tue la liberté. Parce que librement, tous les journaux paraissent comme ils peuvent, ou qu'ils veulent d'ailleurs, et il y en a qui ne respectent pas, et beaucoup, les règles. Qui ne respectent pas la loi ou les conditions de manière générale de parution ou de diffusion, mais que l'État, dans sa clémence de le laisser participer au pluralisme, laisse passer certaines situations. Or, les journalistes conscients de la situation, de tels comportements tuent plutôt leur métier parce que personne ne croira par la suite à ce qu'ils disent, à ce qu'ils écrivent ou à ce qu'ils disent, diffusent de manière générale. Ils ont mis en place en conséquence un observatoire pour pouvoir réguler. C'est un élément de mesure pour dire que les journalistes sont conscients de la situation. Qu'ils peuvent s'auto-juger. Qu'ils peuvent s'auto-réguler à travers un observatoire. En se remettant en cause pour eux-mêmes arrêter l'hémorragie. C'est pour vous dire que la situation de la liberté est réelle, tellement il y a de liberté qu'on craint pour la liberté de manière générale. Si on doit remonter l'histoire, par exemple, à commencer par Info Tchad, Tchad Culture, qui n'était que des bulletins au départ, ensuite Sabayom au temps de la guerre qui a aussitôt disparu, Djamene Hebdo qui était une
publication de publicité et de reprise de l'ordre en 1989, rien ne donnait l'aspect en dehors de Al-Watan, qui est le journal politique du parti au pouvoir uni. Rien ne donnait l'impression de la présence même d'une presse. Ce qui existait, c'était la présence africaine, un journal qui était publié depuis le Congo et qui prenait des informations du Tchad à travers les prêtres et autres, donc un peu en accord avec Tchad de Culture, qui est devenu, après l'avènement de la démocratie, un journal officiellement avec la déclaration de parution, et Ndiamène Hebdo qui s'était entre-temps aussi transformé en journal, un hebdomadaire. Et progressivement, on a poussé. Il y en a qui sont devenus bi-hebdomadaires. Aujourd'hui, nous sommes avec plus de 50 radios, 40 journaux privés. Nous sommes avec 4 télévisions qui fonctionnent actuellement normalement. Tout cela en n'est rien de temps, c'est-à-dire comparé à 30 années, 40 à 50 années auparavant. Je crois que c'est un bond rapide qui a été effectué et nous nous en réjouissons actuellement. Monsieur Nathan, vous êtes secrétaire général de l'UJT, l'Union des journalistes tchadiens. Cette année, contrairement aux années précédentes, cette célébration de la journée n'a pas, ne s'est pas déroulée dans le faste. Qu'est-ce qui a été organisé comme activité pour ne serait-ce que rappeler aux gens qu'il y a cette journée qui existe, qu'il y a ces métiers qu'il faut aussi protéger et que les journalistes ont également besoin de liberté pour pouvoir exercer leur métier. Oui, merci. La situation que nous impose le coronavirus devant laquelle tout le monde est vulnérable, fait que l'UJT ne peut pas envisager une commémoration avec faste, comme c'est le cas les années passées. Nous pouvons nous réjouir aussi de ce que l'UJT et le Tchad, les hommes de médias du Tchad, sont les seuls dans le monde qui commémorent d'une certaine manière cette journée, parce que beaucoup de pays, devant cette situation, ont mis en veilleuse ou remettent à plus tard la commémoration. Mais nous, nous avons choisi de commémorer cette journée à travers une réflexion. Parce que la situation devant laquelle nous sommes tous vulnérables, nous sommes tous engagés, implique la responsabilité de tous, mais je dirais que la responsabilité des professionnels des médias en premier lieu, parce que la communication, pour nous, demeure l'arme la plus sûre pour combattre contre ce mal. Dans ce cas, il faut saisir cette occasion pour réfléchir, il faut saisir cette occasion pour évaluer notre rôle dans cette lutte-là, d'où ce thème de cette année, rôle des médias dans des situations d'urgence. Parce qu'il faut le faire et ainsi nous nous sommes conviés à la réflexion, à des débats comme c'est le cas aujourd'hui, où nous voulons évaluer la contribution des médias dans la lutte depuis le début jusqu'à maintenant et pouvoir nous projeter pour voir si cette situation perdure, qu'est-ce que les médias peuvent encore faire. Et cela nous amènerait à définir une position commune pour cette lutte-là. Mais voir, coronavirus ne pourrait pas être peut-être une seule situation d'urgence. Si de telles situations se produisent encore demain, qu'est-ce que les médias peuvent faire? Tout cela nous amène à ne pas passer sous silence la commémoration, mais à le faire autour de cette thématique-là, que nous offre effectivement la liberté de presse, que les doyens viennent de le dire, mais nous pourrons dire aussi que cette liberté de presse dont nous jouissons, il y a encore des choses à faire, il y a encore des efforts à faire. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire de cette liberté si nous ne pouvons pas jouir de notre autonomie en tant qu'organe, parce que tous les organes sont avant tout des entreprises de presse. Ce qui fait qu'il reste encore un problème d'autonomie, disons financière, d'autonomie matérielle des organes pour vivre.
l'environnement aussi législatif, l'environnement aussi judiciaire, l'environnement, je dirais aussi juridique, tout cela avec des panoplies de lois qui gèrent aussi les médias, tout cela fait qu'il y a encore des efforts à faire. Les hommes de médias ont arraché la dépénalisation, par exemple, des délits de presse depuis 2009. C'était la plus grande victoire que nous saisissons l'occasion pour féliciter nos aînés qui ont pris le devant pour lutter jusqu'à arriver là. Mais 11 ans après, est-ce que le fruit de notre lutte, la dépénalisation de la presse, comment on peut l'apercevoir aujourd'hui? Donc, je voudrais ainsi compléter pour simplement dire qu'il reste encore des efforts à faire, aussi bien dans la liberté de presse que dans le métier, parce qu'on peut, nous donner toute la liberté. Mais si nous-mêmes, en tant que professionnels, nous-mêmes, en tant que les hommes de métier, nous traînons des tares en nous, qu'est-ce que nous pouvons faire de cette liberté-là? C'est pourquoi il y a beaucoup de choses à faire en interne, mais aussi, nous, il faut que l'environnement soit beaucoup plus encore aménagé pour que nous puissions exercer librement. Oui, mais si on s'en tient au thème contribution des médias dans la lutte contre le Covid-19, il y a eu des décisions qui ont été prises par l'État, notamment pour contrer cette pandémie. Il y a eu le couvre-feu, par exemple. Au début, il y a eu quelques écueils. Certains journalistes n'étaient pas contents parce qu'ils se disaient que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent faire effectivement leur travail. Quelles sont les démarches qui ont été menées par l'UJT pour qu'on puisse aujourd'hui donner cette possibilité-là aux hommes des médias de pouvoir continuer par exercer leur métier malgré ces mesures qui ont été prises? Partant de là, je m'en vais directement d'abord féliciter tous les médias du Tchad, du public que du privé, de l'audiovisuel, de la presse écrite, de la presse en ligne, depuis les premières mesures qui ont été prises unanimement. Personne n'attend un mot d'ordre, les organes se sont mis directement en position de lutte et ils travaillent dans des situations exécrables. Parce que leurs conditions même d'abord n'étaient pas très réduisantes et la situation de coronavirus vient encore corser le problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, les hommes de médias tiennent, les organes de presse tiennent pour lutter unanimement, sans que personne ne leur donne le mot d'ordre. C'est pourquoi il y a lieu de les féliciter d'avance, mais leur présenter aussi nos mots d'encouragement parce que la situation, plus on avance dans cette situation, plus la situation commence à devenir aussi intenable. C'est pour cela que nous avions toujours plaidé pour que la situation leur soit davantage encore améliorée. Nous avions, dès le début, commencé à faire entendre la voix des hommes de médias. Quand on a constaté les cas de bavure, les cas de maltraitance sur les journalistes, parce que en un mois, nous avons publié 4 communiqués de presse pour dénoncer les bavures sur les journalistes. En une semaine, on a enregistré 10 cas, aussi bien en N'Djamena qu'à l'intérieur du pays, pour dénoncer les cas de maltraitance sur les journalistes qui couvraient exactement la lutte contre le Covid-19. Dans ces cas-là, vous trouverez aussi bien les responsables des antennes de Onama, qui est un organe public, que des hommes du privé. Donc personne n'est épargné. Donc, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller vers les autorités, faire entendre la voix des hommes de médias pour dire que dans cette lutte, nous pouvons l'emporter, certes, mais jamais sans la contribution des médias. Parce que, avant tout, la lutte passe par la communication, par la sensibilisation. Et la sensibilisation et la communication ne peuvent pas se faire en dehors des hommes de médias. Donc nous avions plaidé. Et là aussi, nous pouvons remercier les autorités auprès desquelles on a eu des oreilles attentives. Nous étions partis voir le directeur de la police nationale, nous étions partis voir le directeur de la gendarmerie nationale, nous étions allés voir le ministre de la communication, le tout premier que nous avons contacté. Nous étions allés voir le coordinateur de la commission communication dès lors que la commission a été mise en place. Nous étions allés voir le ministre de la Justice. On a vu les commissaires des différents commissariats de la ville de N'Djamena pour leur dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre qu'un cadre législatif, qu'un cadre réglementaire soit particulièrement mis en place pour nous entraider à lutter unanimement. Donc maintenant, les hommes des médias aussi peuvent faire jouer leur partition, et bien que dans les patrouilles,
les hommes des médias soient un peu aidés à couvrir les choses qui se passent dans, qui vont dans le sens de la sensibilisation. Donc, nous avons déploré le fait que le décret instituant le couvre-feu ignore le statut des journalistes. Nous avons déploré cela. Mais pour ne pas attendre, nous étions allés sur le terrain pour plaider et nous avons eu des oreilles attentives pour épargner un peu les journalistes qui, aujourd'hui, peuvent valablement couvrir certains événements, faire des reportages pour communiquer, pour sensibiliser autour de Covid-19. Très bien. Abderrahmane Barka, quelles sont les dispositions que vous, en tant que responsable d'un organe, aviez pris pour que vos journalistes puissent exercer leur travail sans qu'ils ne tombent sous le coup de la loi, puisque ils sont des gens qui sont appelés à exercer à une certaine heure qui doit dépasser également l'heure fixée par le couvre-feu, puisqu'étant un quotidien, vous bouclez un peu tard. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que votre journal continue par paraître? Le journaliste est un autre soldat, donc tout le temps disposé à s'adapter à l'environnement de travail, à l'environnement de vie, même social, familial, à celui de son travail. Et le même jour du décret, j'étais en réunion de comité au ministère de la Communication et mes gars m'ont appelé pour me dire voilà le décret qui vient de tomber, il y a couvre-feu, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit allez travailler pour telle heure, on finit à telle heure. À 18h, tout doit être déjà prêt. Allons-y à cette vitesse, je vous rejoins. Et automatiquement, la réunion finie, j'ai rejoint l'équipe. Nous avons travaillé comme des fous pour finir exactement à 18h. Mais entre-temps, le problème, c'est que ceux de l'imprimerie ne pouvaient pas être là. Ils sont déjà partis. Et le lendemain, il fallait qu'ils viennent à 7h. Le journal a pris du retard. Donc, et jusque-là, cela a un impact. Au lieu qu'ils travaillent le soir, la première partie est tirée le matin, ou faire le tout la nuit, ils ne peuvent plus. Donc, ils sont obligés de commencer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le journal arrive si ça arrive à 10h, c'est très bien. Et sinon, parfois, c'est midi. 13h, il est arrivé que le journal nous soit remis à 13h. Donc, cela a un impact d'abord sur l'électorat qui nous fait vivre. Parce que c'est lorsqu'on est lu que les annonceurs aussi viennent vers nous. Et c'est ces annonces et publicités-là qui font vivre le journal. Or, actuellement, déjà, avec le fait que la crise de coronavirus a imposé un ralentissement de l'économie, il n'y a plus d'autres publicités que tout autour de Covid lui-même ou certaines rares activités. Donc, les deux éléments combiné, le couvre-feu et le manque de publicité dû à coronavirus font que le rythme de notre travail est restreint. Maintenant, dans le communiqué de la Hama, demandant aux autorités d'accorder de la clémence, de permettre aux journalistes de travailler, on a semblé ignorer le quotidien que nous sommes. On nous a mis dans le même sac que les périodiques. Donc tous les journaux doivent se conformer au couvre-feu. Point. Ce sont les radios qui doivent diffuser à leur heure habituelle et que des dispositions sont prises pour leur permettre de circuler après les heures de diffusion. Heureusement que d'autre part, on nous a remis des coups de fil qui sont par la suite, on ne sait pas si c'est ceux-là qui sont annulés, parce qu'on apprend que certains, il y a des coups de fil qui sont annulés. Et on ne sait pas à travers quelles sources on a remonté les sources, alors que les coups de fil qui sont distribués aux journalistes proviennent de la cellule elle-même. Le communiqué qui a été diffusé, c'était diffusé par la commission sécurité, qui n'est pas au-dessus de... Donc il y a toute une confusion autour, et on avait prévu aussi des badges pour les journalistes, ce n'est jamais arrivé. Donc jusque-là, les journalistes travaillent dans des conditions d'insécurité. Ils ne sont pas couverts. Et les cartes ne sont pas renouvelées. Je profite de l'occasion aussi. Depuis 5 ans. Donc,
les journalistes sont en train de travailler en leur corps de bon Arakil pour pouvoir servir, pour pouvoir. C'est un combat, comme contre Boko Haram ou tout autre ennemi. C'est un ennemi, le Covid-19, et les journalistes s'y sont mis, ils se sont mis à le combattre ensemble, aux côtés du gouvernement, aux côtés de tous ceux qui veulent protéger le peuple tchadien de cette maladie et le Tchad de manière générale de cette maladie. C'est encore temps de prendre les choses en main pour permettre aux journalistes d'être couverts pour pouvoir couvrir effectivement et lutter contre ce phénomène parce qu'ils sont incontrôlables, que ce soit à travers leurs moyens de communication ou bien à travers eux-mêmes dans le travail qu'ils font. Isabelle Seka, vous êtes rapporteur de la commission communication et sensibilisation de la cellule d'éveil et sécurité sanitaire du Covid. Quelles sont les actions que vous, au niveau de votre commission, meniez, parce qu'on a écouté ça et là des écueils, on a écouté ça et là des difficultés. On a la chance de vous avoir dans cette commission. Effectivement, la commission communication et sensibilisation est mise en place par décision de la cellule de veille et de sécurité sanitaire pour la lutte contre le Covid. Nous avons travaillé en nous basant sur le document qui est le plan national de contingence. Parce que si on mène une lutte, il faut absolument... La communication, c'est le pilier de la lutte. Évidemment. La communication est le pilier de la lutte parce que la communication est une stratégie transversale qui vient en appui à toutes les composantes, tous les aspects. Vous avez six commissions, que ce soit commission, comme on appelle, épidémiologique, sécurité, tout ça, nous devons venir en appui. Et pour cela, nous avons également élaboré une stratégie qui est tirée du plan national de contingence. Donc, comme toute stratégie de communication, il y a des axes stratégiques. Nous avons la communication média. Quand les confrères sont en train de parler des difficultés, de ceci, de tous les EP, c'est nous avons un axe stratégique qui parle de la communication média. Tant que les médias ne sont pas impliqués et à outrance dans la lutte, quelque part il va avoir des problèmes. Ça, nous le savons. Aussi, les médias en cette situation de crise Covid, comme l'a dit tantôt mon jeune confrère, ça vient exacerber leur situation de précarité. Donc il faut absolument qu'il y ait une action d'appui aux médias, publics et privés. Nous n'avons pas perdu de vue. Nous l'avons clairement défini. Nous sommes allés jusqu'à faire un budget détaillé pour chaque média. Nous attendons la suite. Ça ne s'arrête pas seulement à la... Quand on parle de la communication média est un aspect. Il y a le plaidoyer. Beaucoup de gens confondent et croient que le plaidoyer n'est pas une activité de communication, alors que c'est une activité de communication. Nous n'avons pas oublié cette stratégie. Nous avons également la sensibilisation. Parce que il y a beaucoup d'autres acteurs qui peuvent bien prendre part à la lutte. Les OSC, les ONG qui doivent prendre parti, qui sont des acteurs vraiment de première taille. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces ONG soient nantis pour pouvoir mener la lutte? Tout ça, nous l'avons prévu. Parce que la communication, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens se lèvent, ils font la communication. Mais le mal dans notre pays, c'est que tout le monde se fait communicateur. Ça, c'est le hic. Et c'est un grand mal. Parce que c'est une technicité. C'est un métier qui a besoin d'une technicité. Si on laissait chacun jouer son rôle, je pense qu'on allait bien jouer et être un peu avancé dans le processus même de la lutte contre Covid-19.
15 quelqu'un, on communique pour pouvoir diffuser des messages et que ces messages essaient de jouer ou changer le comportement. C'est le CCC, c'est le changement de comportement. La communication pour le changement de comportement, ça dit qu'il faut savoir quel message diffuser. Si on diffuse mal, on va avoir le revers. Et moi, je dis toujours, la communication de crise a besoin d'être bien planifiée. Planifiée et gérée en urgence. Ça n'a rien à voir avec l'approche programmatique. Nous sommes devant une urgence. Il faut agir avec urgence. Sinon, la communication de crise va se retourner. Au lieu de gérer une communication de crise, nous risquons de gérer une crise de communication. Et s'il y a crise de communication dans ce domaine précis de Covid, c'est la catastrophe. Honnêtement et sincèrement. J'en profite pour dire merci à l'ensemble des professionnels de la communication, particulièrement à l'UJT et au ministère de la communication, parce que le fait que le Tchad fête ou célèbre à sa manière la journée mondiale de la liberté de la presse, c'est un plus. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec les moyens de bord, c'est vrai, mais il faudrait qu'on sorte de cette histoire parce que sinon, le goulot d'étranglement. Nous avons la situation, l'annonce, publicité, parce que tout est arrêté économiquement, donc je peux dire que c'est complètement au ralenti, ça ne peut même pas permettre de faire vivre un journal, mais malgré ça, c'est vaille que vaille. On s'est dit, nous sommes des vaillants combattants et nous devons lutter. Et notre arme, c'est notre plume, c'est notre micro, c'est ce qu'on le fait. Maintenant, il faut que de l'autre côté, qu'il y ait l'appui à nos médias pour pouvoir faire notre travail. Et nous le ferons. Si SAM appuie, nous sommes déjà en train de le faire. Et je parie que aucun média au Tchad qui n'a pas pris part à la lutte selon ses possibilités, il n'y en a pas. Ils ont tous participé. Mais si on leur donne un coup de punch, je pense qu'ils vont exceller dans la lutte. Et c'est comme ça. Si chacun joue sa partition, chacun a le moyen de jouer sa partition et le joue efficacement, je pense que nous, ensemble, c'est ça qui constitue la barrière contre le COVID-19. Monsieur Abderrahmane Barka, c'est qu'Isabelle venait de relever un point très important tout à l'heure, la crise des communications et comment l'éviter, ses conséquences ou bien comment aussi l'éviter. Quel est votre point de vue face à cela? Oui, merci beaucoup. Et je profite de l'occasion pour me féliciter de ce que le gouvernement a pris la décision de renvoyer les décisions, les réflexions, même en concertation aux ministres concernés. Parce qu'ils ont des équipes qui peuvent s'occuper sous leur autorité et ensemble avec leurs collègues, ils peuvent, les collègues en collègues concernés, ils peuvent se voir pour décider de telle ou telle situation et appliquer telle mesure. À un temps où tout était concentré au niveau de la cellule, ces ministres étaient fondus dans ces cellules et n'avaient pratiquement rien à faire. Et vous avez vu que les plus grandes et plus importantes décisions, que ce soit au niveau de l'administration du territoire ou de la communication, etc., ont été prises dernièrement, même au niveau de la santé. Parce que les gens se sont retrouvés la responsabilité et l'engagement de le faire. Mais quand c'était concentré, cela permettait autour, en gravitation, de communiquer dans tous les sens. Et nous avions, vous savez, les médias par essence sont soumis à des pressions économiques, financières, politiques, etc. Et en particulier la télévision. Et tout le monde voulant se faire voir pendant le début de l'histoire, nous avons occulté ceux qui devraient analyser la situation. En premier lieu, les médecins, les anciens soignants, leur expérience des anciennes épidémies. On a occulté les communicateurs eux-mêmes. Donc, c'est des associations sorties de nulle part, et des organisations, on ne sait, sorties d'où, qui commençaient à faire de communiquer. À communiquer, c'était devenu de la cacophonie et en particulier du folklore. Et le risque pour le Tchad aujourd'hui, et qui
que ce soit dans tout domaine, il faut qu'on évite le folklore. Ce qui a fait que, il y en a qui disaient même le contraire de la situation, que le Covid, le virus circulait même en l'air, etc. Donc ce qui a fait que ceux qui ont une idée, ils voient ailleurs dans des télévisions et autres, ne croient pas que le Covid arrive. Et aujourd'hui, que c'est arrivé au Tchad. Et un député a bien fait de le relever, le député Thomas, je crois. Il faut qu'on signale par commune ou par zone ou par quartier qu'il y a eu tel cas, même sans nommer, pour que les gens arrivent à sentir que la chose est présente côté d'eux. C'est comme dans le métier de journalisme, on l'enseigne, la loi de la proximité affective, la loi de la mort kilométrique, comme on le dit, celui qui meurt de l'autre côté, très loin, là, ça ne vous dit pratiquement rien. Mais celui qui meurt à côté de vous va vous parler. Donc, qu'on revienne à cette communication, le ministre de la Santé, Dieu merci, était d'accord de le faire si le comité scientifique, et il va le faire certainement, puisque c'est les élus du peuple qui lui ont demandé. Donc, revenons à la réalité de la communication. Évitons tout ce qui est folklore, parce que cela est en train d'exposer les populations, parce que certaines refusent d'accepter que le Covid existe ici. Que c'est une utopie. L'autre aspect, que c'est une utopie. L'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas aller uniquement dans ce sens de restriction, restriction, restriction. Il faut qu'on parte dans le sens de la sensibilisation et que les restrictions concernent beaucoup plus les mesures barrières. Si on restreint les activités économiques pour attendre une quelconque aide d'un pays qui est lui-même en difficulté de Covid, est-ce qu'on n'est pas en train de risquer d'entrer dans une autre crise au sortir du Covid? Donc il faut qu'on compte d'abord sur nos propres moyens, ressources d'abord. Travaillons avec nos ressources. Ouais. Est-ce que cela nous permet? Même s'il faut faire du porte à porte, il faut éveiller les consciences à accepter que c'est cela. Nous avons des habitudes sociales qui ont été cassées par d'autres, par des comportements individuels. Nous nous regroupons pour manger, mais si, par exemple, celui qui veut manger, c'est après avoir mangé, d'abord il se lave les mains avec du savon, au lieu de le faire préalablement. Merci. Pour celui qui est réticent à la présence de la maladie pour dire que le Covid n'existe pas ou que c'est Dieu qui le protège, il faut lui rappeler tout simplement qu'il entre dans des moustiquaires pour se protéger contre le palud. Il faut lui rappeler que ces maladies-là ont existé avant. Ces épidémies ou pandémies et autres-là ont existé dans ce pays-là et que c'est de telle nature, et cette fois-ci, c'est de telle nature, il faut que ce soit pragmatique, pratique. Appeler les anciens, tout ça pour qu'ils communiquent tout autour. La prise en otage de la communication par d'autres personnes qui ne sont pas la communication risque de nous amener à une autre crise. Et que maintenant, de manière générale, ce que je suggère au gouvernement, c'est de penser à la reprise économique, de mettre l'accent sur les mesures barrières, donnant-donnant, en visant les produits essentiels et en mettant en garde, avec des fiches bien précises, en mettant en garde ces commerçants, si vous le faites, vous faites ceci, vous serez fermé. Il y a des mesures de rétorsion. Les transporteurs eux-mêmes ont proposé de faire même par siège, une personne par siège, dans des bus. Si on ne leur donne pas l'occasion, c'est d'autres personnes qui sont en train de les faire en catimini, dans des Toyota Hilux, et dans des conditions exécrables. Et dans des conditions où on peut facilement, en tant que malade ou suspect, aller en province et propager la maladie. Or, si c'est les professionnels eux-mêmes qui continuent à le faire, les agences de voyage attitrées qui le font, et qu'on leur dise qu'on leur impose de désinfecter, qu'on leur impose ceci, qu'on leur impose toutes les mesures barrières, et qu'elles le font, je crois même en augmentant le prix. Aujourd'hui, pour aller par exemple à Sar, à Koumra, à l'autre, on paye de 40 à 50 ou à 60 000. Aujourd'hui, si on le paye, on paye le double à 30 000. Aux transporteurs, aux bus, ils peuvent prendre une personne sur deux sièges et respecter les mesures barrières, respecter jusqu'au bout, au lieu de les laisser des clandestins transporter n'importe comment
les gens à l'intérieur du pays. C'est un gros risque. Il faut laisser les professionnels les amener eux-mêmes à prendre les choses en main, à mettre des brigades et à faire respecter ces mesures-là. C'est là où tout le monde aura participé et que on peut facilement remonter la pente. Je dirais, au-delà de plaidoyer que nous faisons, pour, et nous avons acquis avec beaucoup d'espérance ce que Madame la rapporteure de la Commission a dit, que quelque chose est en train d'être fait pour assister les hommes de médias. Nous sommes contents pour cela. Mais au-delà de cela, nous voulons aussi demander que l'information soit accessible. Parce qu'aujourd'hui, les seules informations qui sont mises à la consommation des organes de médias, qui eux diffusent, ce sont les communiqués officiels faits par le porte-parole de la cellule. On aurait souhaité que la commission communication, et je crois que c'est aussi communiqué que cette commission existe, si la commission communication de la cellule pourrait prendre en main la communication sur tout ce qui est COVID, aussi bien sur la gestion des malades, sur les mesures, sur la sensibilisation, ça irait beaucoup mieux. Mais les seules fois que nous pouvons avoir les informations en ce qui concerne le COVID, il faut attendre. Si le porte-parole fait son apparition, et quand ça arrive, c'est seulement une seule fois par jour, sinon deux fois, une fois tous les deux jours, eh bien c'est difficile et ce sont les seuls denrées que nous avons entre les mains. Et alors c'est toujours la même information que tu vas trouver dans toutes les rédactions. Or, s'il y a possibilité d'aller vers les spécialistes, d'aller vers des personnes ressources, d'aller vers les malades, ceux qui sont guéris, ou si les journalistes pourraient être protégés, pour aller dans le centre de traitement, ils pourraient montrer aux hommes, parce qu'ils sont devenus aujourd'hui sceptiques, ils ne voient rien, ils voient sur les médias internationaux, étrangers, ils voient comment les gens montrent. Et ici chez nous, mais jamais rien n'est montré, rien ne les dissuade. Donc on plaide aussi pour qu'il y ait accessibilité à l'information, pour que les médias puissent mieux communiquer. C'est quoi Isabelle? Comment faire pour éviter les fake news? Comment faire pour faciliter la tâche? Au niveau de la communication, la commission communication, même quand vous parlez déjà des communiqués, des porte-parole, je pense que c'est parce que la commission communication travaille d'abord avec la commission qui s'occupe de l'épidémiologie, le comité scientifique, pour avoir quelques éléments. Il y a tout un travail qui est fait en amont. En amont, avant de présenter ça au public, au porte-parole pour le public. Au niveau de l'organisation interne même de la commission communication, nous avons créé 5 groupes de travail. Il y a le groupe média et monitoring, il y a le groupe fake news pour traquer, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les réseaux sociaux et qui vraiment ne sont pas en conformité, ne sont même pas scientifiques. Donc on essaie de traquer ça et de présenter, de donner l'information pour que les gens qui en ont besoin peuvent. Nous avons aussi la création d'une page Facebook pour pouvoir centraliser toutes les informations afin que les médias, tout utilisateur essaie de prendre ça. Nous avons également le groupe sensibilisation. Dans le groupe sensibilisation, ça veut dire tous ceux qui veulent entrer dans la sensibilisation, nous devons renforcer leurs capacités, c'est-à-dire en termes même de la lutte contre le Covid. Parce qu'il y a des messages adaptés, il y a comment répondre, c'est-à-dire que tout ce scénario, nous l'avons fait et nous devons d'abord former ces responsables des associations, faire d'eux des formateurs qu'on va suivre pendant une ou deux pour voir afin qu'ils donnent le message et que quelqu'un qui aille sensibiliser reprenne le message et soit même en mesure d'expliquer aisément ce message, pour que ça ne soit pas, ça ne prenne pas le contre-pied. Il y a également le groupe Monde Rural. C'est très important. Et nous avons mis l'accent sur le groupe Monde Rural parce que le Tchad ne se résume pas seulement à N'Djamena. Il y a les autres régions. C'est vrai que la décision qui a mis en place la commission communication a également créé des structures décentralisées au niveau des provinces. Mais tout ça, la commission communication doit avoir un droit de regard sur ça, doit également coordonner, doit également encadrer pour que ça ne soit pas également des messages disparates.
pas une communication comme on le fait et on est en train de décrier, mais que ça soit vraiment une communication bien planifiée, bien faite et bien exécutée. Chers téléspectateurs, nous venons déjà à la fin du temps qui nous est imparti. Prenez soin de vous, respectez les mesures barrières, suivez les instructions données par les hautes autorités. Bonne suite des programmes sur la télévision tchadienne.